Et le modèle anglais, c'est les courses en maillot blanc et non plus en maillot à rayures colorées. C'est le maillot blanc et c'est la course en ligne. La course en ligne, c'est une course dont on... si on voit l'arrivée, on ne voit pas le départ, ou si on voit le départ, on ne voit pas l'arrivée, à moins d'avoir une bicyclette pour suivre le long de la berge. Mais le modèle anglais n'est pas uniquement le choix d'une forme de pratique. C'est aussi le choix d'une forme d'amateurisme. La définition de l'amateur en Angleterre n'est pas la même que sur le continent. Et que l'amateur en Angleterre, c'est celui qui ne travaille pas, c'est celui qui n'est pas le professionnel de l'eau, mais c'est aussi celui qui n'est pas ouvrier. C'est un modèle de discrimination. Il y a une discrimination sociale dans la définition de l'amateurisme en Angleterre. Deux fédérations coexisteront en Angleterre jusqu'en 1956. Celle des tradersmen, qui accueillait les ouvriers et les femmes. Et celle des amateurs Oxbridge, la seule fédération reconnue par l'aviron français. En fait, ce qu'il faut entendre par cette notion d'amateur pour l'Angleterre, il faut entendre le noble qui fait ses études à Oxford ou à Cambridge. Et en France, c'est le modèle des amateurs, donc des amateurs nobles, qui a été choisi par certains tenants de l'aviron sportif. Mais depuis 1850, les clubs d'aviron qui se reconnaissent comme amateurs acceptent les prix en espèces pour financer leurs pratiques et leurs bateaux très coûteux. Et alors qu'il y a des courses d'aviron en France depuis 1834, la Fédération d'aviron n'a pu se créer que en 1890 parce qu'il y a eu des conflits au sujet de cette définition de l'amateurisme. Ces luttes influeront profondément le développement de l'aviron en France. L'aviron deviendra plus élitiste, plus aristocratique. Le coût de la pratique amplifiera ce phénomène. L'aviron rompra complètement avec l'image populaire du canotage, des canotiers et des guinguettes. Les femmes seront exclues des embarcations parce qu'elles sont a priori de petite vertu. Le modèle des courses et des embarcations anglaises, les outriggers, s'imposeront. Et cette influence dominera l'aviron français jusque dans les années 80 et jusqu'à ce jour du 13 juin 1991.